Ségolène Royal au retour, pourquoi François Hollande pourrait avoir peur? Voilà qui ne devrait pas rassurer François Hollande et ses éventuelles ambitions de retour. D'après des informations d'Europe 1 ce lundi 22 octobre, Ségolène Royal qui a refusé de conduire la liste Parti Socialiste aux élections européennes de mai prochain serait en train de réfléchir et peaufiner un projet en marge du PS, axé sur l'écologie politique. Lors de nombreuses consultations, l'ambassadrice des pôles, toujours très active dans les milieux de l'environnement, est arrivée à cette conclusion. Seule une liste élargie aux forces de l'écologie politique serait de nature à rassembler les électeurs qui partagent ces idées, explique l'éditorialiste d'Europe 1 Michaël Darmon. Le projet de celle qui était ministre de l'Environnement sous François Hollande pourrait voir le jour début d'année prochaine. L'ancien président socialiste a sorti son livre Les leçons du pouvoir le 11 avril 2018. Un véritable succès en librairie qui a mis le feu aux poudres. François Hollande pourrait-il revenir sur le devant de la scène politique et tenter de prendre sa revanche sur Emmanuel Macron aux élections présidentielles de 2022? Les Français seraient demandeurs, à en croire sa compagne Julie Gayet. Ce qui est important aujourd'hui, et je le vois quand on sort, c'est qu'il y a une vraie attente. Beaucoup de gens espèrent son retour, a assuré la comédienne et productrice. Les ambitions de Ségolène Royal auraient donc de quoi faire peur à son ex-compagnon et père de ses 4 enfants. D'autant que d'après l'Express fin septembre, après la démission de Nicolas Hulot, François Hollande a craint que l'ex-ministre ne soit nommé et rejoigne Emmanuel Macron et le gouvernement. Elle est capable d'accepter, aurait-il affirmé à des proches. C'est finalement François de Rugy qui a hérité du portefeuille ministériel, soulagement pour l'ancien chef de l'État. Seulement de courte durée et,